j'adore ces crayons là, ça et ça. Et puis autrement, je vais terminer mes courses et on se retrouve à la maison. D'accord. Et voilà, nous sommes rentrés de notre shopping des affaires scolaires. Donc, voilà mon cartable du visuel. Il est trop trop beau, c'est un cartable Freegun. Et vous pouvez voir aussi que j'ai mis des Logstar. Du coup, des petits cadenas. Voilà, trop chaud. Donc là, j'ai pas précisé, c'est le robot. Juste à côté, forcément, la licorne et le tacos. C'est mes deux préférés. Ils sont trop 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 beaux. Et là, sur la hanse du cartable, j'ai un petit diable des mers, on va dire ça comme ça. Un petit lapin trop choupinou. Il est trop beau le lapin, j'adore. Oui, un lapin vert. Voilà. Et un requin, donc avec la couronne. Un requin licorne. Un requin, ouais, un peu licorne. Voilà, bon. Alors, on va commencer par ouvrir la petite poche du devant. Nous avons mon trop beau compas. Mon violet, un violet. Du scotch. Et ma trousse qui va avec. Du coup, forcément, c'est écrit Freegun derrière. Donc là, c'est tout... truc pour écrire, c'est pas mes crayons de couleur et mes feutres. Donc taille crayon, plein de friction, deux effaceurs comme ça, quatre comme ça. Le vert, je sais pas où il est passé, mais il est dans ma trousse forcément. Mon ciseau, ma gomme avec la recharge. Un mini marqueur et l'effaceur d'ardoise qui était forcément avec l'ardoise. Mon stylo plume, tous les autres frictions et l'autre vert. Encore en friction. Aussi, j'ai deux crayons de papier du coup colorés avec les gommes aussi colorées. Mon effaceur, ma gomme, une règle qui se plie, c'est bien, un stylo quatre couleurs comme ça, et un crayon de papier tout simple avec une gomme au bout. Après, on est une équerre, j'allais dire une équerre. Après, dans la grande poche. Alors, dans cette trousse, c'est tout ce que Cléopâtre nous a envoyé. Donc, c'est tout plein de colle, voilà. Donc, je vais tout vous présenter. Il y a une souris... blanc. Blanc, voilà. Une souris blanc. Après, ça, c'est une souris colle. Donc, ça, c'est assez pratique, je trouve. Hein. En plus, j'en voulais une pour cette année, c'est parfait. Après, stylo effaçable, encre, voilà, donc, hyper pratique aussi. Ça, c'est les, vous savez, les trucs qu'on tourne, on ouvre, en fait, c'est un pinceau de colle. Je sais pas si, bon, voilà, en tout cas, je vous ai montré, hein. Donc voilà, ça, c'est hyper bien aussi. Donc, le tube normal, hein, un tube... Tube de colle classique. De colle classique. Bâton colle. Voilà. Des stylos colle. Donc ça aussi, ça c'est pour un peu écrire. Je fais style, j'écris, mais je colle. en tube aussi, colle et collier, voilà, universel. Donc voilà, assez pratique aussi. Aussi, on a en forme de petit pot. Celle-ci, elle sent trop bon, c'est ma préférée. Sans l'amande. Mmh. Donc en fait, il y a un petit truc pour mettre à l'intérieur, voilà. Et en fait, j'ai envie de vous dire santé, mais en fait, vous pouvez pas. Ça sent trop bon. Voilà, donc en fait, il faut racler autour et en fait, vous avez la colle. Et puis, voilà. Et puis aussi, vous pouvez retrouver ça aussi en barre d'infos. Oui, il y a plein d'infos concernant Cléopâtre. Ah oui. Plein. Et un code promo aussi. Et un code promo. Donc après, on passe à l'intérieur de la trousse. Alors, il y en a encore une, forcément, avec un petit chien. Donc t'as plein de trousses, hein, trois trousses. Oui. Alors, celle-là, j'ai rien à dire. Alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais
j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de marqueurs. Il y en a 12. Il m'en fallait 4. Voilà. Mais et du aussi, coup, t'as toutes les couleurs. Oui, il y a des pastels et des couleurs. Là, il y a tout. Mes recharges friction. Et plein de stylos comme ça. Voilà. Donc, pour cette trousse très colorée, on peut dire. Hein. Bien sûr. Après, ma règle, hein, rien de plus simple. Après, mes crayons de couleur et mes feutres, donc 24 et 24. Voilà. Une ardoise toute simple, enfin toute basique, bleu foncé. Alors, l'indispensable, c'est l'agenda de Roxane, forcément. Forcément. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'elle fait dans ce... dans cet agenda. À la fin, il y a des recettes. Par exemple, voilà. On garde nos recettes. Et après, il y a plein de recettes. Tout à la fin, il y a plein d'autocollants. Et en fait, au fur et à mesure, c'est trop bien parce que on peut mettre des pense-bêtes, des notes importantes. C'est trop bien. À des moments, il y a même des licornes en fond comme ça. C'est trop beau. Et c'est vraiment trop bien. Et à chaque fois qu'on passe un mois, et ça met par exemple juin, et à ne pas rater ce mois-ci. Et je n'oublie pas les anniversaires de maman. Ah oui, moi j'ai écrit déjà maman. Ah, t'as déjà écrit hein. Oui, alors je sais pas si vous savez, mais maman est née en juin. Voilà. Voilà. Après Gabin, devait prendre des cahiers de brouillon, dans tout ça il m'en a donné un pour que je dessine à l'école, tout simplement. Mon trieur, voilà. Donc à la fin j'ai mis des recharges de feuilles de classeur, je crois. Voilà. Là encore des feuilles de classeur. Et ce que j'adore, c'est marqué It's School Life. Avec une petite fille. Ouais, il est sympa ce classeur. Hein. Ouais. Après, mes deux classeurs de leçons. Donc, maths et français, tout simplement. Donc, c'est Rip Curl. Voilà. Après, j'ai deux pochettes, mais il en fallait qu'une. Hein. Voilà. Donc, du coup, celle qu'elle avait demandé, qui est trop belle. Et de l'autre côté aussi. Et aussi, y a un chat avec des réserves de pochettes plastiques dedans pour toutes les leçons. Du coup, voilà. Mes deux classeurs, ils sont trop beaux. C'est des lapins crétins, forcément. Voilà. Donc, bleu et violet, c'est mes deux couleurs préférées. Aussi avec le rose. Donc, 6 intercalaires et plein de pochettes plastiques que j'ai mis à l'envers. C'est bien. Et l'autre, du coup, c'est un lapin crétin qui écoute de la musique. Voilà, simplement. Avec encore des pochettes. Je les trouve trop beaux, mes classeurs. Et puis, n'oubliez pas le code promo pour l'école Cléopâtre. Et vraiment, je vais tout prendre hein, pour cette année. J'ai besoin de tout. C'est bon, je suis équipée. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker et surtout à vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.